Madame Chalkaoui, merci de nous accueillir. Nous sommes ici à l'Université Mohamed V, dont vous êtes la vice-présidente. Alors vous savez, dans Oser l'avenir, on parle d'innovation. Et l'université devrait être le centre névralgique de l'innovation. Si je vous demande, comment fait-on aujourd'hui? Ou alors plutôt, quel est l'état des lieux en termes d'innovation dans un pays comme le nôtre, qui en a cruellement besoin? Alors, il faut préciser que notre pays ne peut pas se développer sans innovation. Et l'université a un rôle très important. Parce que d'abord, elle réunit beaucoup de jeunes. Si je prends notre université, c'est 80 000 étudiants. C'est une richesse incroyable. Il y a un vivier incroyable pour faire monter des idées. Est-ce qu'ils ont l'occasion justement de mettre en avant les idées qu'ils peuvent avoir? C'est là notre rôle. Alors jusque-là, les jeunes ont des idées. Ça, c'est la jeunesse. Mais ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Pour eux, une idée, c'est une idée d'Einstein. Donc ils cherchent l'impossible. Oui, ils cherchent tous l'idée du siècle. Et ça, c'est pas ça. C'est parfois une petite idée de rien du tout. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on crée, on a d'abord créé le Centre universitaire de l'entrepreneuriat. C'est plusieurs profs de tous les établissements, école d'ingénieurs, fac de droit, fac de lettres, des profs bénévoles qui font ça vraiment sur leur temps et qu'on a formé avec, sur l'entrepreneuriat, les BIT et CNAM, Canada et France. Donc, ils sont formés, ils ont des certificats. Alors ces enseignants qui sont extraordinaires, parce que tout ça, ils ne demandent rien en échange. Ce centre universitaire a été accrédité par notre conseil. Alors pourquoi ce centre? Quelle est l'importance? C'est qu'il faut créer des jeunes, voir les idées des jeunes. Une fois qu'un jeune a une idée, il faut qu'il sache comment la mettre en place. Donc il faut qu'il apprenne ce que c'est un business plan. Il faut l'aider à comment lever des fonds. Parce qu'il est jeune, il a peur. On a besoin d'incubateurs. On a besoin de financement, on a besoin de présenter aussi de manière détaillée comment cette innovation va se transformer en produit à mettre sur le marché ou en service à mettre sur le marché. Alors il y a quand même quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il y a une cité de l'innovation qui est en cours de construction. C'est une cité. Alors expliquez-nous à quoi va servir cette cité de l'innovation. Alors cette cité d'innovation, d'abord notre rêve, elle est déjà maintenant reconnue. Mais notre rêve, c'est la rendre une association, une fondation adossée à l'université. On n'arrive pas encore parce qu'il faut lever des fonds, très important. Là, on a des fonds. On a fait en partenariat avec notre ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Industrie. C'est très important. Tout a été conçu, que ce soit les conventions, les statuts, tout a été conçu. Toujours dans cet esprit d'adéquation compétences et besoins du marché du travail. Exactement. Alors, quel est son rôle? Elle aura plusieurs. Alors d'abord, tout ce qui est recherche et développement, nous avons des laboratoires dans toutes les universités. Quelqu'un qui a une idée, c'est là où il va la mettre en place. Et l'idée, c'est aussi avoir des locaux où il y aura incubation, donc créer des startups, et aussi des locaux où des industriels peuvent venir sur place. Actuellement, nous avons déjà signé avec Phare Industries. Alors Phare Industries sont là, dans la cité d'innovation. Ils ont amené une voiture connectée temporairement, après ils vont la faire rentrer et c'est nos étudiants qui vont travailler sur cette voiture connectée. Connecter l'industrie ou l'entreprise avec les idées et les projets innovants des étudiants. Exactement. Est-ce que vous voyez le futur, et encore une fois je vous pose la question parce que je sais que vous êtes très franche Madame Chalkaoui, en termes d'innovation, est-ce que ça suffit? Ça fait partie de ces mécanismes, mais qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour qu'on puisse se hisser, qu'on puisse vraiment avoir des relais d'innovation pour tous ces entrepreneurs, pour tous ces jeunes, pour tous ces étudiants qui sont peut-être en recherche et qui essayent de concrétiser une idée? Alors, il y a deux choses. La première, il faut que cette fondation ait un autre statut, qu'elle soit une fondation, qu'elle ne soit pas liée par tout ce qui est... Vous savez très bien qu'on est un établissement public, et public comme n'importe quelle commune, n'importe... Et ça, c'est quand même assez dangereux pour l'enseignement supérieur. Ça, il faut le changer, premièrement. Deuxièmement, il faut que le milieu socio-économique ait confiance en l'université. Donc, ils viennent vers vous? Exactement. Ils nous disent... Ils viennent suffisamment vers vous? Maintenant, ils commencent. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. Maintenant, ça commence. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a les investisseurs. Il y a PSA, avec qui on travaille. On a fait un Open Lab au niveau région. Qui s'installe à Khnetra. Et donc, ils vont s'installer. Mais l'Open Lab, c'est nous, l'université de Khnetra, notre université, l'université internationale de Rabat et d'autres écoles d'ingénieurs. Et donc, il y a les industriels. Il faut que les industriels disent quels sont leurs besoins. Déjà, que ces investisseurs étrangers ne viennent plus au Maroc que pour la main-d'œuvre technique. Non, ils viennent aussi pour placer des laboratoires de recherche. Innovation et aussi de nouveaux projets à mettre en place. On avait de la jeunesse, d'un jeunesse
très productif. Merci beaucoup, Madame Chartraoui, de nous avoir reçus. Et nous, je vous donne rendez-vous, comme d'habitude, sur Atlantique Radio, tous les jours, avant les journaux de 8h30, 12h30 et 18h30. Et on se retrouve dans le prochain épisode de Osez l'avenir.